Des Corses en finale de la Coupe de France, cela s'était déjà vu, mais ils ne l'avaient jamais remporté. Alors toute la nuit, les supporters bastiais ont fêté l'événement, beaucoup de gaieté et surtout beaucoup de bruit dans l'île. L'équipe de Bastia a gagné et tous les supporters de football en Corse ont eu la fièvre. Voici quelques images de la fête tournée par nos confrères de FR3, mais à Ajaccio et non à Bastia. Elle prouve en tout cas que la victoire au Parc des Princes a suscité le même enthousiasme dans les deux principales villes de la Corse. Alors, pendant que vous pouvez contempler l'allégresse ajaccienne, je vous dirai qu'à Bastia, ce fut hier soir, et cela a duré ensuite jusqu'à 2h du matin, une explosion de joie qui a fait sortir dans la rue des milliers de personnes. Défilés de voitures, vivas, salves de mousqueterie, mutuelles congratulations, hymnes à la gloire des héros du stade qui ont salué la première victoire d'une équipe corse en finale de la Coupe de France. J'ajouterai que cette nuit, les mêmes manifestations d'allégresse ont eu lieu à Paris, où les supporters de Bastia avaient envahi les Champs-Élysées. Alors avec eux, et viva Bastia!